Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Far Cry 5. Pas loin sous cette route, voilà, devrait se trouver un convoi. Et j'aimerais pouvoir tirer avec des croquettes, mais j'y arrive pas. Ce qui peut être un vrai problème. Sachant que je suis censé les avoir. Je viens de passer à travers un arbre, on fera comme si on n'avait rien vu. Ah ah, voici le deuxième convoi. Attention, je vais à pied pendant un temps. C'est parti. Ah ah, il en reste un. Deuxième convoi terminé, le troisième. Ah, au passage. Wouhou! Wouhou! Et de deux. On a pas un petit troisième, parce qu'on dit jamais 203 chez moi. Là, il y a un hélicoptère qui arrive. Voilà, je l'ai eu. Je sais pas si c'était un méchant. Si c'était le cas. Cas, il m'a semblé l'être. Et il y a le troisième là-bas! Wouhou! Sans compter nos ennemis. C'est parti! Il y a même un quatrième! Wouhou! Faites du slip! Un de plus! Merde, je me suis planté. Voilà! Chose faite! C'est qu'une quête secondaire, hein, mais disons qu'elle aura fait des choses intéressantes quand même. Crac! Bon, là apparemment là-dedans il y a une quête principale. Peut-être essayer de se la faire. Voilà, ça fait du cadavre en plus déjà. Apparemment, je l'ai loupé. Oups, pardon. Bon, par contre, si vous me tirez tous dessus, les mecs, on va être moins copains. Ça, c'en était un. Ça, c'en était un aussi. Ça aussi. C'est bon, vous êtes tous calmés? Je peux me poser sans trop d'encombre. Hey, j'arrive. Je viens déjà de m'occuper. Alors oui, je me suis rééquipé. Alors certaines choses que vous connaissez déjà, d'autres que vous connaissez aussi. Je suis dans le clocher. Même certaines que vous connaissez encore mieux. Mais surtout avec... pas ça. J'ai oublié de me rééquiper, tiens, les armes. Bonjour. Officier, c'est vous? Oui, je suis là, je suis... Arrête de gueuler. Vous voilà. Avez bien visé? Je m'appelle Grace. J'ai entendu dire que quelqu'un pourrissait la vie des cinglés. Peut-être vous moi. À pic. T'as vu ça? Vous voyez ces tombes là en bas? Mm-hmm. C'est celle de héros de la guerre. Mon père en fait partie. Alors je suis désolé. Ces cinglés... J'ai un peu tiré. Ils essaient d'effacer notre histoire. Oh. De casser le moral. Pour qu'on cède et qu'on se laisse s'écraser. Oh. Mais pas question. Tant que je serai en vie, personne touchera la tombe de mon père. Elle va me faire avoir une petite larme. Je suis une tireuse. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour me couvrir. Ils seront bientôt là. Ah bah là, je peux te dire que j'ai fait du ménage... digne d'un dieu, hein. Au sud-est. Défendez les tombes. Ah, parce que ton père est dans trois tombes différentes. Oh là là, de la chance. Moi, je m'imagine que ce sont les tombes des héros. Mais par contre, alors j'ai fait des conneries. Ouf. Hop là. Essayez de venir voir. Merde. Ils attaquent la tombe près de l'arbre jaune. Au sud.
près de l'arbre jaune, c'est précis. Hein. Hop là. Je vous vois pas, les mecs, c'est casse-couille. Alors, on faisait quoi? Ah oui. J'ai loupé, forcément. Je suis refroid. Allez. Je l'ai eu. Oui, bah, je fais ce que je peux. Hein. Au sud. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils sont, en fait, ces trous du cul. Bah, de toute façon, je les vois pas. Ils devraient me servir à... C'est pas grave. Je suis plus dedans, c'est génial. Ah. Celle avec le drapeau. Ouf. Ok, les amis, donc on va pas se cacher une chose, c'est que... Ah oui, d'accord, et en plus, je peux pas reprendre. Donc, si tu me l'exploses instant... Donc ils m'ont explosé une truc instantanément, hein, je cherche même plus à savoir pourquoi, ils me l'ont explosé instantanément. En plus d'être hyper méga nombreux de la mort qui tue. Putain. Voilà. Et putain, mais... Et elle, elle en branle pas une, regardez là derrière son p*** de mur là. Tu sers à rien. Tu captes ça? Tu sers à rien. Je suis désolé, je suis extrêmement énervé. Parce qu'elle tire pas une balle. Regardez où elle vise, mon vieux. Ok, donc mission très dure. Hein. Mission extrêmement dure, chers amis. Que ce soit bien clair. Et la fille se met enfin à tirer sur des cibles. Chose qu'elle ne faisait pas les 18 fois où j'ai fait la mission avant. Hein. Ok. Ça se passe un peu mieux. Parce que maintenant elle s'est mise à tirer cette partie-là, je sais pas pourquoi. Sud-est. Je prends cher à nouveau. J'ai ramassé un medikit. Alors ce mec. Allez, Marcus. Voilà. Ce mec a un copain. J'ai plus de balles, bien sûr. Alors on remarquera qu'ils ont rien.
on survit à tout. Et Marcus décède. Ils ont rien, ils ont plus rien à faire vis-à-vis de la mission. Hein. Là, il crame. Un de mort. Repliez-vous tout de suite. Lui survit. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a repéré par là. Officier, vous êtes où? Je suis là où j'essaye de survivre. Ça te dérange pas? Parler à Grace, bah putain. Mission de merde. Hein. Vous avez une seconde? Franchement, là j'arrête le jeu juste après parce que je suis énervé. Et elle a rien fait les 18 parties précédentes. Je suis mort à peu près, ouais, on va dire 18 fois à peu près cette mission. Il y a toujours un espoir. Et elle a rien fait. Restez, en fait, je vais vous montrer. Les cinglés gagneront jamais. J'ai fini par la tuer en chaîne. Sortir les violons non plus. Mais si jamais vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Sur le papier, elle me semblait ultra pété cette sniper parce que comme on voyait les snipers, les autres snipers ultra pété. Je me dis putain, c'est génial, elle va être ultra pété quand on l'aura cette fille-là. Et en fait, elle se mettait précisément là, et elle attendait. Et quand elle était pas là, elle se mettait là, et elle attendait. Elle tirait sur rien du tout. Elle visait là, elle faisait ça. Je la connais depuis qu'elle est môme. Elle est honnête et solide, tout comme son soldat père. Et c'est la plus fine gâchette du coin. Elle pourra t'aider quand ça sera la merde. Je l'ai pas eu. Cible verrouillée, passe à l'attaque. Mais bien sûr, je suis dans un clocher, mec. T'as autre chose à foutre que de me tirer dessus. Voilà, ça t'apprendra. Et c'est con parce qu'il aurait pas été cassé, je l'aurais piqué. Et en tout cas, les amis, sur cette déception, parce que là, je suis complètement gonflé par le jeu, on se laisse. En plus, vous voyez que on est censé être en position de... En position de snipe, il n'y a pas la moindre munition de sniper. Quand tu tombes, t'as à peine le temps, vous voyez, de déclencher le parachute. Là, on a du bol et je pense que j'ai eu un bug d'animation. J'ai pas subi de dégâts. Mais en tout cas, oui, je suis assez énervé, là. Le jeu a été très très mauvais. Depuis qu'on a fait la mission avec John Seed, j'ai l'impression de pas avoir de PV. Hein, je le dis tout de suite. J'ai l'impression de pas du tout avoir de PV, et c'est extrêmement gonflant. Mais bon. En tout cas, les amis, merci d'avoir suivi ce moment de rage avec moi. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite des aventures de notre personnage dans Far Cry 5. Salut les gens, et yo!